Karim Mongwe, va à la police. Quoi? Va voir le procureur. Dis-là ce que tu n'as pas dit. Ah! Oh, maman. Et dis-là ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Ah bon? Et pourquoi? Parce que crois-moi, la police des polices est déjà en train d'enquêter sur ton dossier. Ça, c'est clair. Vous ne, c'est-à-dire vous ne connaissez même pas le message qui est en train de passer dans le dossier de Samy. Ah! Wow. Vous ne connaissez même pas le message. Hey. Les ting-ting dans leur tête, ils sont seulement en train de se dire qu'on veut nuire à une personne. Hein? Nous sommes jaloux. Quoi? Nous sommes méchants, nous sommes aigris. Mais mon frère. Hey. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent même pas le message qui est en train de se passer. Bravo à toutes mes étoiles qui font briller le village. Je dis que le dossier de Samy est en train de vous faire passer un message qui ne dit pas son nom. Non seulement le dossier de Samy est en train de dévoiler la corruption. Quoi? Le manque de compétences de certains organismes dans notre pays. Mais en plus de ça, le dossier de Samy est en train de vous passer un message pour vous dire, vous qui dites, vous criez souvent haut et fort, le Cameroun doit changer. Samy est en train de vous dire que le changement du Cameroun doit d'abord commencer par nous. C'est-à-dire, nos mentalités. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le changement? Je m'interroge. Quand on sait qu'un Camerounais, tout ce qu'il veut faire, il faut que ça passe par le choc. Oh, maman. Tu fais un accident dans un pays, parce que tu veux te protéger, tu ne veux pas dépenser à l'hôpital. Tu donnes 10 000, on ne fait pas de constat, la personne fuit. Ah, quoi? Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé dans le dossier de Samy. Je suis en train de déballer tout. Tu cognes quelqu'un, parce que tu as un peu d'argent, tu fuis. Tu dis que non, mon frère, arrange derrière. Mais tu ne sais pas que la personne peut rester mourir. Et j'avais déjà dénoncé ça ici. Le haut début de la dénonciation de ce problème, j'avais dit à certains policiers que quand vous pensez que vous vous enrichissez sur les trottoirs, les routes de notre pays, vous ne savez même pas que vous êtes les responsables des crimes, le taux de criminalité qui augmente, le vol. Quand un policier est censé faire un contrôle, il découvre que la personne qui vient de contrôler n'a pas de carte grise de son véhicule, il n'a pas de permis de conduire, le contrôle technique n'est pas à jour, mais la personne prend 20 000 et lui dit que frère, ah voilà, laisse-moi passer. Si quelques mètres après, la personne n'a pas cogné quelqu'un, ce n'est pas lui qui est responsable, c'est le policier qui a pris 20 000 et le laissé partir qui est responsable. Ah bon? Et pourquoi? Parce que s'il avait arrêté ce monsieur-là à l'instant, sans le laisser partir, non seulement il aurait sauvé sa réputation de policier et il aurait sauvé des vies. Et oui, c'est clair. J'ai dénoncé ça ici. Hein? J'ai dénoncé ça ici. Partagez d'abord! Samy a un sang fort. Samy est en train de parler de beaucoup de choses. Si c'était le genre que la dame l'a seulement effleuré, on n'a même pas le temps de faire le constat. Elle a choqué peut-être 1500 ou 10 francs. On l'a laissé partir. Sans savoir que ça va se passer comme ça, ça va dégénérer. Là, les vérités commencent à sortir pour démanteler un réseau de corrompus au niveau des voies routières. C'est un exemple. Sinon, expliquez-moi. C'est aussi simple que ça. On fait un constat. Lorsqu'il y a accident, on prend le temps de dessiner là où la victime est tombée. Le constatateur prend le temps de faire les photos de l'endroit où il y a eu l'accident. Dans le cas de l'accident de Samy, aucune photo. On va venir nous dire que qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a pas de photo? Tu es sur les réseaux sociaux, c'est toi l'enquêtrice. Je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas l'enquêtrice. Mais la famille de Samy, vous trouvez normal qu'elle n'ait pas de photo? Je m'interroge. Les passants n'ont pas filmé, on a compris. La famille de Samy n'a pas de photo. Vous méprisez les Camerounais jusqu'à ce point. Vous voulez manquer de respect à l'intelligence des Camerounais. Même le Camerounais le plus illettré a un cerveau valide. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Les gens savent que les Camerounais, quand on parle d'Africains intelligents, le Camerounais en premier. Dégage. Il s'intègre partout, même sans diplôme dans les poches. Tu le mets en espagnol, il ne connaît pas moi en espagnol. En deux semaines, il te roule déjà l'espagnol. S'il vous plaît, respectez par moment l'intelligence des Camerounais. Ça, c'est clair. L'intelligence naturelle brute. Qu'on n'a pas ajouté, le professeur n'a pas parlé, le Camerounais est mis avec. Mon Dieu. Depuis quand un policier fait un constat? Il n'y a pas les photos du constat. Je m'interroge. Depuis qu'on jacasse sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'essayer de fabriquer le constat, les photos du constat? Comme vous nous avez laissé poireauter, vous nous sortir la vidéo
Vous êtes aussi en train de chercher comment vous allez fabriquer les photos. Alors si, merci Caroline Longo. Les Camerounais sont prêts. Vous avez appelé On Love. Vous avez appelé tout ce monde-là. Vous avez appelé les femmes aide les femmes. Tous ces jeunes-là qui sont dans ce dossier. Je veux leur rappeler une chose. C'était au tout début. Regardez comment ils ont essayé de nous amadouer. Ils ont essayé, quand je dis ils, ceux qui venaient intervenir. Les gens qui vont dire qu'on parle de ce dossier parce qu'on veut descendre tel, je m'en fous de vous. Ah bon? Et pourquoi? L'enfant de quelqu'un est décédé. Ça, c'est clair. L'enfant de quelqu'un est décédé. Ça, c'est clair. Les circonstances sont douteuses. Ça, c'est clair. Nous sommes en train d'enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est clair. On va se fatiguer, mais on va se réveiller, on va parler. Ça, c'est clair. Regardez comment ils ont essayé de nous amadouer. Au début de cette histoire, On Love va retrouver ça. Il y a des gens qui sont intervenus dans le live de On Love. Je me souviens encore, trois personnes sont intervenues dans le live de On Love en disant Samy était quelqu'un qui aimait trop l'argent. On Love, tu te souviens de ça? Ils ont essayé de parler comme ça que Samy, gars, ce n'est pas parce que je ne veux rien dire. Il faut d'abord noter Samy, c'est quelqu'un que quand on parlait d'argent, le gars ne blaguait pas avec. Je suis sûr que On Love va faire la coupure de ça. Et je vous dis aujourd'hui pourquoi ils ont essayé de vous amener dans cette piste-là. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que les Camerounais mettent les organes sur le sujet de Samy. Parce que le Camerounais, quand il entend que sa mort vient de lui-même, que la mort de quelqu'un vient de lui-même, parce qu'il avait les longues yeux, le Camerounais dit père, dis à ton cadavre de venir réclamer justice, personne ne t'avait envoyé. Vous voyez un peu? Donc ils ont commencé à vouloir courir avec nos cerveaux de cette façon. Pour qu'on retienne que si Samy est mort, c'est que soit lui-même il est entré dans les choses bizarres, soit lui-même il savait que si, je dis bien si, allez chercher la définition de si, s'il y a un trafic d'organes quelque part, on va dire que peut-être Samy lui-même volontairement, en tant qu'adulte majeur et vacciné, il avait accepté qu'on aille enlever le rein. Je dis si. Donc quand on était dans cette thèse-là, ils sont venus nous amadouer de cette façon. Merci Raifou qui se souvient de ça. Il y a trois personnes qui sont intervenues dans le live de On Love, allant dans ce sens en disant que ce n'est pas parce que je ne veux pas parler. Hein. Vous-même vous connaissez Samy. Samy ne blaguait pas avec les deux gars, c'est parce qu'il vient de mourir que je ne parle pas. C'est un gars qui ne jouait pas avec l'argent. C'est grave santé. C'était déjà pour nous faire un lavage de cerveau. Vous nous dites que vous êtes en train de vouloir batailler pour qui? Un gars qui pouvait même tuer ses enfants, qui pouvait même tuer. Ils n'ont pas dit ça. Hein. Je suis en train de vous dire ce qu'ils voulaient que nous on retienne. Un peu comme Cabrel quand il est décédé. Au lieu que nous soyons en train de pleurer Cabrel, on est venu nous faire comprendre que Cabrel est dans les sectes. Qu'est-ce que ça a engendré? Beaucoup de personnes qui étaient prêtes à pleurer Cabrel ont commencé à dire. Les vidéos ont commencé à se multiplier dans quel sens? Dans le sens où. On va faire la pause de publicité, ne t'inquiète pas, mon étoile. Dans le sens où on disait lui-même, il entrait d'abord où? Il partait d'abord où qu'il l'envoyait. C'est ce qu'il voulait faire avec le cas de Samy. Mais il ne savait pas que les Camerounais étaient prêts. Donc, c'est comme ça qu'il voulait déjà nous préparer. Vous comprenez un peu. Nous faire un lavage de cerveau. Je veux dire, vous avez bipé On Love, vous avez appelé 100 ans. Vous avez bipé On Love 100 ans. Le problème, c'est quoi? Mes frères et sœurs Camerounais, mes frères, mes compatriotes, les gens dans le monde qui nous regardent. Si nous, les blogueurs, nous sommes restés aussi longtemps dans ce dossier. Nous avons joué, nous avons fait le travail des journalistes. Le travail des enquêteurs. Mais mon frère, hey. C'est parce qu'on savait que si on ne restait pas assis dans ce dossier, ça allait s'éteindre incognito. Comme un dossier qu'on m'a envoyé ce matin. Mais la personne qui m'a envoyé le dossier là, ça fait rate. Ah bon? Et pourquoi? C'est toi qui subis l'injustice au Cameroun. Un policier Akilam, ta soeur. Tu ne viens pas parler sur les réseaux sociaux, mais tu viens choisir moi, la maman de trois enfants, pour venir parler pour toi. Parce qu'on vous a dit que moi, je n'aime pas ma vie. Donc tu ne peux pas prendre le courage que Félicia a pris de d'abord lancer une vidéo qui est tombée sur les réseaux. Et comme c'est déjà sur les réseaux, nous on récupère. Tu veux que le scandale passe par moi? Parce qu'il faut qu'on dise que le toi les maîtres aller chercher les dossiers difficiles. Si on l'a tué aujourd'hui, c'est parce qu'elle mettait son nez partout. Ça vous rate. Je veux que tu m'envoies les vidéos que tu as déjà envoyées à Zuimento. Zuimento, c'est-à-dire, comment dire, c'est quand même un maillon fort sur les réseaux sociaux. Un dossier qui dépasse Zuimento, c'est moi, l'étoile chrétienne, qui va venir parler d'un dossier que Zuimento ne gère pas. Ça vous rate. Hey. Ça vous rate. J'ai fait vu et ignoré. Wow. Donc tu parles chez le grand Zuimento. Il ne gère pas ton dossier. Tu viens choper moi, l'étoile chrétienne, que viens parler. On t'a dit que je ne veux pas aussi voir mes enfants grandir. Voilà. La même façon que tu te caches derrière et tu m'envoies devant là. C'est de la même façon que moi-même, je veux me cacher derrière et je te laisse gérer ton dossier. Seigneur Jésus, attendez un peu. Nous ne sommes pas bêtes. On continue avec Samy. Parce que le dossier de Samy est arrivé sur les réseaux. Ça nous a trouvé. C'est notre territoire. Nous sommes comme des chasseurs. Tous les gibiers, c'est-à-dire dossiers qui arrivent là, on les gère. Yeah! Ceux qui ne sont pas arrivés, ça reste dans le placard. Quand vous voulez qu'on gère vos dossiers, prenez le courage d'allumer vos caméras, parlez. Ne venez pas après dire que vous n'aviez pas dit. Voilà. Ne venez pas après dire que vous n'aviez pas dit. Donc, je vais donc vous expliquer quelque chose. La police camerounaise, les autorités camerounaises doivent faire attention. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand il y a un scandale comme celui-là, ça salit l'image de notre pays. Faites souvent l'effort de régler des petits problèmes comme cela avant qu'ils ne deviennent graves. Le dossier de Samy est un petit problème pour vous.
que si dès le départ vous aviez pris le taureau par les cornes, on ne serait plus en train de parler de ce dossier. Le dossier de Samy se complique si le dossier de Samy de prime abord avait été pris en charge par les autorités de notre pays, la police de notre pays. Depuis Kribi, on ne serait plus là. Le pays est mauvais. Vous ne serez pas en train de vous faire passer pour les corrompus, pour les ceci. C'est parce qu'on savait que ça allait tourner un jage, nous sommes venus parler. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu que ce soit vous et non nous qui gériez ce dossier? Simplement parce que nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des policiers. Les erreurs que nous on commet quand on parle de ce dossier, en tant qu'homme en tenue, vous n'aurez pas commis ces erreurs. Pourquoi? Quand même, regardez tout ce qui a déjà fui, tout ce qui a déjà fuité. J'ai entendu dans la vidéo, le live de On Love et Dieu donné 100 ans. Quand mes frères là font les vidéos, moi je m'assois, j'écoute. Et tout ce que je peux voir que ça peut nous gâter le dossier, je vais leur dire. Et tout ce que je vois que ça va arranger le camp adverse, les camps d'un et consorts, je viens casser. Quand on dit que le téléphone de Kandem a été localisé au niveau de l'hôpital de la Caisse, si la police du Cameroun, de Kribi, avait fait son travail, c'est-à-dire interroger Kandem dès le début de cette histoire, Kandem aurait répondu là-bas, il aurait donné sa version des faits avant qu'on ne lui donne les éléments comme le fait qu'on ait retrouvé son téléphone au niveau de la Caisse. Or, on perd beaucoup de temps. Maman, regardez, regardez ce qui va se passer. Au début d'une enquête, je vous ai dit que tout se résolve au début d'une enquête. Mais c'est toi libérer les cœurs, faites bouillir le village est restreint. Tout se passe au début d'une enquête parce que les gens n'ont pas le temps de dissimuler la vérité. Les gens n'ont pas le temps de créer des faux alibis. D'accord. Le temps que Kandem est en train de prendre, il n'est pas interrogé. C'est le temps où il prépare sa mascarade. Quand quelqu'un vient de commettre un crime, si la police l'arrête tout de suite, il est encore sur la peur, il est encore sur la panique parce qu'il a tué, il a fait du mal. Donc quand tu l'interroges, la peur fait en sorte que même ce qu'il voulait cacher, il se trompe, il parle. Mais si tu le laisses se reposer, parce que la nuit porte conseil, une seule nuit porte conseil. Mais les nuits que Kandem a passées, toutes les nuits que Kandem a passées, merci, ça l'embalance. Ce sont plusieurs nuits qui vont lui porter conseil. Donc ce sont des nuits au pluriel. Voilà. Toutes les nuits là vont faire en sorte que vous n'allez pas facilement attraper Kandem. Même quand vous serez en train de l'interroger, quand vous allez poser la question à Kandem de savoir pourquoi, ton téléphone, ton portable a été localisé au niveau de la Caisse. Kandem est en train de vous suivre. Voilà les erreurs que nous on commet, que la police même n'aurait jamais commis. Je dis bien jamais. Parce que la police sait que ce sont des questions phares qui vont poser à Kandem. Mais nous, on vient donner ça ici. Ça fait que Kandem sait déjà dans sa tête que le jour où il va être interrogé, quand on va lui dire que ton téléphone faisait quoi à l'hôpital de la Caisse, il est capable de dire qu'il partait acheter le coquille et le héros. Hein? Il est même capable de dire qu'il sort avec une fille à côté de la Caisse qui lui a dit qu'elle est enceinte et qu'il partait gérer la layette. Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Or, si de prime abord on avait attrapé Kandem, Kandem n'aurait pas eu de réponse et on l'aurait cloué. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit à Kandem, est-ce que je commence? Oui. Quand on dit à Kandem dans nos lives, Kandem, quand Samy est décédé, tu nous as dit que tu es venu à Kribi tel jour, mais ton téléphone montre que la veille tu étais déjà à Kribi. Ce sont les questions que la police lui aurait posées au début. Et lors de son interrogatoire, il aurait répondu que Samy m'a appelé le 10, je suis arrivé le 10, la police enregistre, ils ont un appareil, un enregistreur où ils enregistrent tout. Ou alors, ils écrivent. La police aurait dit, mais on découvre que tu nous dis que tu es arrivé à Kribi le 10, mais le 9 tu étais déjà à Kribi. Pourquoi ce mensonge? On va le clouer. Sauf qu'aujourd'hui, Kandem a déjà une excuse pour dire que si la veille, j'étais à Kribi, mais je vous ai dit que je n'étais pas à Kribi, c'est parce que je ne voulais pas que ceci, cela. Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Regardez comment vous, la police du Cameroun, vous êtes obligé de nous faire les vérités, faire les erreurs sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'avez pas géré le problème dès le départ. Vous avez laissé les acteurs des réseaux sociaux prendre le dossier en main. Et ce dossier-là, aujourd'hui, là, il sera très compliqué à résoudre. Parce que même au niveau des photos dont je fais allusion là, ils vont fabriquer les photos pour montrer que quelqu'un avait fait le constat. Or, ces photos-là doivent sortir maintenant. Le dossier qui est chez le procureur aujourd'hui, le dossier que vous avez envoyé chez le procureur, le dossier du procureur est vide. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Le procureur de Kribi va poursuivre ce dossier avec quoi? Il va poursuivre le dossier avec quoi? Ce que vous allez lui ramener maintenant, ce sont les preuves que vous avez fabriquées. Or, de prime abord, il fallait qu'on ait toutes les preuves là. Vous avez eu le temps de tout fabriquer dans le dossier de Samy. Vous avez eu le temps d'appeler qui vous voulez. Et je continue à dire, moi je maintiens mon analyse. 100 ans on love. Grand frère de Long, grand frère Junior Zogo, Solange Vie, c'est vous tous là, les acteurs, vous qui avez parlé de ce dossier, moi, l'étoile Kribienne, je continue à penser. Surtout depuis qu'on nous a sorti la vidéo, j'ai maintenu cette thèse. Déjà qui venait de mon premier informateur. Et je maintiens que pour moi, le gars là n'a pas fait d'accident. C'est possible que cette femme là, qu'on nous a sorti là, ait été payée. Et si elle a été payée avant, elle est bien capable de commencer à préparer sa famille pour dire que, comme vous voyez là, j'avais fait l'accident, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est possible. Et tout ce que vous voyez comme intervention allant dans le sens de cette femme, c'est parce que c'était déjà préparé de prime abord. C'est possible qu'on soit en train de vous mener en bateau comme ça. Parce que, dites-moi pourquoi, sachant que la vidéo viendrait de la banque, il y a une vidéo officielle. Dites-moi pourquoi on a besoin de fabriquer une vidéo comme celle qu'on a vue là.
La vitesse à laquelle la voiture la roule vers Samy, ce n'est pas une vitesse normale. Vous-même, vous avez vu les éléments de cette vidéo se déplacer seul. Ce n'est pas moi l'étoile qui vient. Le jour où je suis devant le tribunal, maman, le procureur aura chaud. C'est-à-dire qu'il va me poser des questions, il sera dépassé. Je vais lui dire que monsieur le procureur, voilà, je n'ai pas mes lunettes, je vois. Hein. Vous-même, si vous aviez vu la vidéo aussi que moi je suis en train de voir, est-ce que vous ne voyez pas la moto qui bouge seule? J'agrandis cette première vidéo dans mon ordinateur, il n'y a personne derrière la moto. Le monsieur qui entend le bruit à côté de l'arbre, il descend, il ne bouge pas. Après, on le fait bouger, il remonte. Il est comme un personnage qu'on est en train de piloter avec un logiciel. C'est sur ça que je vais répondre à ce procureur. Maintenant, si on fait ce genre de vidéo, c'est pourquoi? Je vous ai dit, moi, je n'accuse pas quelqu'un de crime. Mais ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de masquer la vérité, il y a quelque chose de grave qu'on cache. On peut ne pas avoir tué. On peut ne pas avoir mandaté quelqu'un de faire du mal. Mais on a voulu dissimuler quelque chose qui aujourd'hui nous amène dans le trou. Il fallait dire la vérité des événements de Kribi depuis le départ. Depuis le départ. Vas-y mon cœur. Mes étoiles d'amour. Quand la famille de Samy a demandé les photos de l'accident de Samy, pourquoi le constatateur, ce n'était pas encore une enquête criminelle? Le procureur n'avait pas encore saisi le dossier où il fallait d'abord demander l'autorisation du procureur pour donner les documents. Quand le frère de Samy a commencé à demander les photos. Parce que écoutez, c'est quand le procureur de la République saisit un dossier que les enquêteurs n'ont plus le droit de diffuser les informations n'importe comment. Ici, il n'y avait pas encore d'enquêteurs parce que les plaintes n'étaient pas encore déposées. Pourquoi on n'a pas donné directement les photos de l'accident pour dire que monsieur ne pleurez pas votre frère, il y a eu accident. Voilà les photos, voilà le constatateur. Mes chères autorités, mes chers enquêteurs et enquêtrices, posez-vous ces questions-là. Lorsque vous allez vouloir dire que non, nous sommes juste en train de parler pour parler. Quand il n'y a rien, on te dit où sont les photos, tu sors. Quand Conrad a demandé les photos de l'accident de Samy, pourquoi Kandel ne lui a pas dit, voilà le constatateur, monsieur Tel, qui a constaté l'accident. Pendant qu'il constatait, il a pris les photos du constat. Voilà son numéro, appelle-le, il va t'envoyer. Parce que moi j'ai son numéro. Ou si je n'ai pas son numéro, va à tel commissariat. C'est là-bas où ça s'est passé. Quand quelque chose est simple, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous voyez déjà qu'on manque dans tout, dis-le ouais. Qu'est-ce qu'il est même pour Paris, mon gars? Dis-le ouais. Il vous a dit, lors de son intervention, dans un audio qu'on va enregistrer, que le trépied de Samy était resté dans sa voiture. Quand vous voyez Samy traverser la route, le traître tandem et lui, Samy a un trépied sur la main. Dans la main. Samy a un appareil dans la main. Le trépied ne peut pas se mettre dans la poche. Samy a quelque chose dans la main. Quelqu'un qui a fait une double fracture. Tu es parti le chercher à l'hôpital. Pour l'amener à la résidence ou je ne sais pas où. Son trépied fait quoi dans ta voiture? Ce n'est pas toi qui l'as amené à Yaoundé. Comment son trépied s'est retrouvé dans ta voiture? Vous ne réfléchissez pas qu'il y a quelque chose qu'on vous cache? Il faut que Guillaume vienne vous dire pourquoi son trépied est dans la voiture de Samy. Et là où nous, les blocs, on commet les erreurs, c'est quoi? C'est que ce sont des choses que quand on détecte, on ne doit pas parler en direct. On doit plutôt appeler les avocats de Conrad aujourd'hui et dire aux avocats que Guillaume a annoncé que le trépied de Samy était dans sa voiture. Au moment des auditions, pensez à lui poser la question là-bas que à quel moment il a eu le trépied. Il va s'en mêler les pinceaux parce qu'il est dans les mensonges. Or, aujourd'hui, quand on va lui poser cette question-là, il a déjà préparé sa réponse. Il est capable maintenant de vous dire que la veille, Samy avait mis ça dans sa voiture. Pourquoi? On ne sait pas. Que des mensonges. Lors de la première sortie de Paris Mongwe, je me souviens que Paris Mongwe a beaucoup insisté. Elle dit, j'ai acheté la voiture à ma mère. Deuxièmement, ma soeur et moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. 100 ans a sorti la chanson. On ne sait pas pourquoi. Je me pose encore la question, moi-même. Pourquoi insister sur ce point? Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Allez m'insulter comme vous voulez. Tout ce que vous faites là, vos embrouilles, qu'on doit se concentrer sur les clashs là. C'est pourquoi on ne parle plus du dossier de Samy. On connaît vos mascarades. Pourquoi nous dire, en passant, la soeur de Paris Mongwe, elle ne se ressemble pas comme deux gouttes d'eau. C'est faux. Elles n'ont qu'un seul point en commun, c'est le poids. Le seul point en commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont le poids. Et encore, sa soeur Soline est un peu plus forte qu'elle. Sinon, le visage, elle ne se ressemble pas comme deux gouttes d'eau. C'est faux. Il y a des petits traits de ressemblance, mais dire que sa soeur et elle se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Est-ce que c'était pour nous prévenir que, si je ne veux pas vous dire que j'étais à un certain endroit, et que vous allez découvrir que c'est moi qui étais à cet endroit-là, je pourrais venir vous dire que c'est ma soeur, parce que de prime abord, j'ai tenu à vous informer que ma soeur et moi, on se ressemble. Sors Lucas, sors. Non, je suis pas dans cette chambre, sors vite. Est-ce que ce n'était pas pour ça? Vous préparez à ça que peut-être qu'elle n'a pas voulu nous dire qu'elle était dans un endroit, je ne donne pas le nom de l'endroit. Hmm? Peut-être qu'elle ne voulait pas nous dire qu'elle était à un endroit. Et si vous découvrez qu'elle était à cet endroit-là, elle va venir vous dire que c'est non, ce n'est pas moi, c'est Soline qui était là-bas. Vous avez confondu parce que comme vous ne me connaissez pas bien et que Soline me ressemble, vous avez cru que c'est moi. Peut-être c'est ce qu'elle voulait déjà préparer. Pourquoi? On ne sait pas. Sinon, pourquoi faire la vidéo avec Soline? Et nous faire comprendre que Soline que je vous montre là, je me mets à côté d'elle. Merde. Merde. Excusez-moi mes étoiles. Soline que je vous montre là, je me mets à côté d'elle. Observez vous-même. Faites vos analyses. On se ressemble beaucoup. Donc, si on vous dit que j'étais à l'hôpital de la caisse, c'est un exemple. Sachez que ce n'était pas moi. C'était Soline. Et si c'est ça, ça cache quoi? Moi, je vous dis une chose.
avec la vidéo qu'on nous a conduite. Hmm? J'ai dit ici que pour moi, la vidéo là, sans être expert en informatique ou en montage de vidéo, je vous ai dit que pour moi, c'est une fausse vidéo. La vitesse à laquelle la voiture là arrive à cogner Samy, ce n'est pas une vitesse normale. Ça, c'est le genre de vitesse que tu es en train de conduire. C'est-à-dire, tu perds les pédales et la voiture passe. Ce n'est pas une vitesse normale. On a très mal guidé la voiture là. La voiture là roule d'abord doucement et à un moment donné, PAM! Rien qu'avec ces éléments là, vous devriez comprendre qu'on doit chercher. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moua. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Combi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Mais ne leur donnez pas trop d'informations. Parce que plus vous leur donnez des informations, plus ils se préparent à contrecarrer vos interrogations. Donnez-leur des informations superficielles. Ne leur donnez pas des informations approfondies. Ils vont tous se préparer. Souvenez-vous que lorsqu'ils ont été interrogés, le DAF de Tarim Mongo, lorsqu'ils ont été interrogés, je vous dis, mes étoiles d'amour, tous ont eu la même version. Vous avez déjà vu ça, vous? Les seuls moments où à l'école, même, je ne sais pas si vous avez fait l'examen qu'on fait à l'école, j'ai oublié comment on appelle l'examen là, où vous êtes au niveau du tableau, le professeur vous donne un message, il vous dit, passe le message à ton voisin. Le professeur te dit, va dire bonjour à l'école primaire, dis-lui que j'ai voyagé à 10h, à 14h je suis arrivé. Quand tu arrives chez le premier élève pour donner le message que le prof t'a donné, tu lui dis que le professeur a dit qu'il est arrivé à 10h, à 14h30, il s'est assis. Plus l'autre camarade pas donné la nouvelle, ça change. J'ai oublié comment on appelait l'examen, ça change. Mais eux, tout partout, chacun a donné la même version. Je dirais que même à l'école, quand tu fais la récitation, même en OCP, cours préparatoire, même en récitation, certains élèves se trompent. Même quand tu fais le corbeau et le renard, au moment de faire Maître Corbeau sur un arbre pêché, l'autre va dire, Maître Corbeau, merci Valérie, Maître Corbeau sur un arbre assis, le professeur va cogner sur la tête, quand on n'a pas dit assis, on a dit pêché. Mais eux, au niveau de tout, chacun dit pêché, l'autre dit pêché, chacun dit assis, l'autre dit assis, personne ne se trompe. Le genre de résumé que, on a passé la nuit à réciter, c'est chacun qui vient dire la même chose, comme si on les a fait asseoir dans la même pièce. Et on a dit, voici ce qui s'est passé, voici ce que vous devriez dire. Quand vous étiez en train d'aller faire ça chez les enquêteurs, vous pensiez que vous faisiez à qui? Vous pensiez que vous faisiez du mal à qui? À vous-même. Et je vous ai déjà dit une chose, merci Marceline. J'ai surtout dit à Karim Mungu en lui donnant des conseils. Pour ceux qui pensent que je suis contre, et je m'en fous de vos pensées, que moi personnellement, je n'ai pas pensé qu'elle était mêlée. Mais par contre, moi personnellement, je sais qu'elle a beaucoup menti. Pourquoi? Ça n'engage qu'elle. Et je pense qu'aujourd'hui, elle doit être en train de regretter amèrement d'avoir seulement menti. Peut-être pour protéger ses milliards, pour protéger son image. Parce que Karim Mungu, si seulement pour te blanchir dans une histoire où tu as peut-être raison, tu as seulement demandé comment. Je t'ai dit dans mes premières vidéos que tu vas vivre le chantage toute ta vie. Dans mes premières vidéos, je t'ai dit qu'il suffit seulement qu'un de tes salariés ait enceinte une fille. C'est toi qui vas le faire la liette là. Il suffit qu'une de tes salariés là, elle aille chercher une maison, elle n'a pas l'argent. C'est toi qui vas payer la maison là. Quelqu'un veut voyager, n'a pas l'argent du visa. Il te demande 10 millions pour voyager, tu ne donnes pas, tu vas l'île. Moi, c'est ce que je t'ai donné comme conseil. Je t'ai parlé comme une sœur. Je t'ai dit que si tout, si tu sais que de prime abord tu as menti parce que connaissant la bouche des Camerounais, ils vont dire que tu es dans le Moukouagne ou tu as fait quelque chose. Mieux tu viens leur dire que pardon, ça chauffait tellement dans moi que vous savez, j'ai tellement vécu déjà trop de critiques ici, trop d'attaques. Mon commerce était en jeu, j'avais un produit qui se préparait. J'avais peur que ça me salisse puisque, au départ, quand Samy est censé mettre ça sur les réseaux, c'est sans que tu as dit à tes employés selon eux-mêmes que non, n'amenez pas ça sur les réseaux. Il fallait donc venir dire ici sur les réseaux que une faute à, tu sais Karim Mungu, une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce qui te cloue aujourd'hui, c'est ça. Si tu étais venu sur les réseaux, tu dis exactement ce qui s'est passé. Exactement. Vous avez entendu Guiloué dire là-bas chez On Love qu'il fallait garder la place pour Karim Mungu pour ses panneaux, non. Pour la publicité de sa marque, non. Je vous avais dit ici, vous avez cru que je mentais. Quand Samy est parti à cet événement, il devait réserver la place pour qu'on puisse présenter ses produits, sa marque, ce qui est légitime. Mais ça, là, même ça, ils ont caché ça. Je t'ai dit ici. Regarde comment un dossier peut-être qui n'est pas censé tourner autour de toi, ça tourne autour de toi.
Si c'est censé tourner autour de toi, ça va seulement tourner autour de toi, c'est bien fait pour toi. Mais si ce n'est pas censé tourner autour de toi, que tout, c'est l'hôpital, l'irresponsabilité de la prise en charge, etc., etc. Regarde comment tu souffres. Tu es obligé, depuis quand tu donnes aux blogueurs les étoiles, quand tu venais souvent dans les pages des gens, tu commentais, non. Quand tu allais souvent, tu venais même sur ma page, quand tu me racontais souvent toutes mes vidéos qui t'ont sensibilisé. Devant Dieu, devant les hommes, c'est elle qui m'a dit. Quand tu regardais souvent toutes mes vidéos qui te sensibilisaient, tu avais déjà commenté. Tu ne commentais pas parce que tu gardais ton petit côté. Tu préférais me complimenter au téléphone. Oh, tu avais fait cette vidéo, c'était très bien. Je ne t'en ai jamais voulu parce que quand tu as travaillé une image, évite de te mélanger. Je te comprenais, je te disais c'est une bonne stratégie. Mais regarde comment ce dossier te réduit. Est-ce que tu pouvais croire que tu pouvais aller donner les étoiles chez Tata Lolo Fodja? Moi, je cite les noms. Tu ne pouvais pas croire à ça. Regarde où tes mensonges t'ont emmené. Tu te réduis aujourd'hui à aller commenter chez les blogueurs. Tu ne faisais jamais ça. Karine Mongo ne commentait pas chez les blogueurs. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon lecteur. Si ça te plaît, les seuls blogueurs Karine Mongo commentait, ce sont les blogueurs qui ne parlent pas sur les sujets de société tous les jours, ce sont les comédiens. Karine pouvait commenter chez, comment il s'appelle, Moustique le Charismatique, Cabral Nandip, Lam Waninga, parce qu'elles ne sont pas blogueuses sur la toile, ce sont les comédiens qui ont déjà tracé leur parcours différemment. Elle sait que notre couloir-ci, on développe même la vie privée des gens. Elle a toujours évité ce couloir. Mais aujourd'hui, le dossier, tu pouvais partager un jour la vidéo d'Alain Kamer sur ta page, jamais. Tu pouvais penser un jour que tu vas partager la vidéo de Lolo Fodja sur ta page. Toi-même, tu sais ce qu'on s'était dit par rapport à la vidéo qu'elle avait faite, non? Qui t'a conseillé que ne te mêle pas l'air, c'est moi, non? Donc, c'est pour te dire que ton mensonge t'amène à te ridiculiser. Et je suis sûr, quand la dernière fois que je causais avec Tata Lolo sur ton dossier, elle a voulu me dire qu'elle est au courant, vous avez parlé. J'ai dit que tu n'as jamais causé avec Karine Mongo avant ce dossier. Parce que je le savais. Aujourd'hui, tu es obligé d'échanger avec elle au téléphone. Or, si tu avais été transparente de prime abord, dis les choses comme elles se sont passées, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu vas te sentir redevable à vie de ces blogueurs-là. À vie, parce qu'ils vont te coller sur la peau comme la censure. J'ai failli être ta belle-sœur, non? Tu m'as déjà vu prendre mon téléphone pour te dire que Karine, s'il te plaît, je dois faire quelque chose, prête-moi 10 000 euros. Tu m'as déjà vu te soumettre un problème d'argent. Sois honnête, regarde-moi. Est-ce que tu m'as déjà vu te soumettre un problème d'argent? Si ce n'est me donner les conseils sur comment je fais mes produits, m'as-tu déjà vu te soumettre un problème d'argent? Karine, parce qu'on m'a appris l'éducation. Je ne peux pas demander l'argent à quelqu'un comme ça. Il faut que tu sois comme ça avec moi. Et je te rembourse. Mais de te dire, donne-moi. Moi, je sais me lever le matin pour aller chercher mon argent. Je ne peux pas te mettre dans ma tête que je vais être amie avec Karine Mongo parce qu'un jour, pour acheter ma maison, elle va me prêter 10 000 euros parce qu'elle est millionnaire. Mais crois-moi que la plupart des personnes qui vont te coller aujourd'hui, dans quelques temps, ils vont te demander chacun quelque chose. Et quand tu ne vas pas donner, ils vont te garder au frais. Dès que ton dossier va arriver sur la toile, ils vont te charger. Elles vont te charger autant pour moi. Tu as encore le temps de quitter, de te retirer de ce mélange-là. Va chez le procureur qui est que tu connais bien, le Kribila. Dis la vérité, c'est tout. Va chez le commissaire. Dis la vérité. Dis pourquoi tu n'as pas tout dit. Parce que toi et moi, je suis sûr, on sait que tu n'as pas été très clair dans tes déclarations. Pourquoi? On ne sait pas. Il fallait jouer la carte de la transparence. Merci Augusta, merci Serge. La carte, on parle de mort d'homme. Et au début, peut-être vous ne saviez pas que quelqu'un allait mourir. Si vraiment la mort de Samy n'a pas été orchestrée, ça veut dire que tout est tombé comme ça sur vous et vous avez paniqué. Mais je préfère ne pas soutenir cette thèse parce que je veux que les enquêteurs cherchent. Orteil, que Dieu te bénisse, mon étoile. Que Dieu te bénisse pour tes 500 étoiles, mon étoile d'amour. Orteil, Virginie. Allô, Bini. Nous sommes encore à la maison, on peut pas les... je suis en train de repasser. Si on part tout à l'heure, on va prendre la route vers... je sais pas encore. Parce qu'après, il faut que je prépare les valises. Bini, s'il te plaît, je te rappelle, je fais le repassage en même temps, je fais un live, s'il te plaît, ma grande soeur. Non, on ne peut pas manger, rentre à la maison, non. Bon, Bini, à tout de suite, les étoiles, les gens sont en train de me regarder. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, on ne voit pas assez de cœurs. La page est très, très restreinte. Libérez beaucoup de cœurs, libérez les cœurs, faites briller le village. Quand on fait briller, okay, faites briller le village, 10 partages minimum. La page est restreinte. Donc, moi, Linda, bisous à toi. Je t'ai déjà pardonné. Donc, moi, merci à Ariel. Moi, je ne peux pas dire que ça n'a pas été orchestré.
Mais moi, au début, je ne pensais pas à ça. Mais si ça n'a pas été orchestré, les mensonges s'en sont suivis parce qu'il fallait cacher quelque chose. Et si vraiment il fallait cacher quelque chose, ça veut dire que comme mon premier informateur m'avait indiqué, c'est possible que Samy y a eu une intercation avec quelqu'un. Mais je ne sais pas qui est ce quelqu'un. Et je ne vais pas suivre les bruits du couloir. Moi, je ne soutiens pas mes thèses sur les bruits du couloir. Quand on a dit qu'Hôtel sortait avec elle, son fils ressemble à elle, non. Là, à cet endroit précisément, on doit faire des recherches concrètes. Savoir si quelqu'un s'est battu avec Samy et qu'on a essayé de masquer ça en accident, pourquoi ce quelqu'un s'est battu avec Samy? Et qui est ce quelqu'un? Et si effectivement ce quelqu'un s'est battu avec Samy et qu'on ne savait pas que la personne qui a causé cette double fracture à Samy, la double fracture aurait tué Samy, il est temps que cette personne avoue. Parce que même au tribunal, une faute avouée est à moitié pardonnée. Lorsque tu es devant les juges, si le juge te pose la première question, est-ce que tu as volé? Si tu dis, monsieur le juge, j'avais faim, j'ai volé. Et je sais que selon l'article tant, je suis passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Monsieur le juge, condamnez-moi. Le juge même sera choqué. Puisque non seulement il a beaucoup de dossiers à gérer, et tu ne lui donnes pas trop de travail, il va laisser aux autres la parole. Et si c'est un bon juge, il va réduire ta peine. Il est même capable de te dire que, vu que vous n'avez pas des antécédents judiciaires, vous avez toujours eu un parcours de vie potable, je vous laisse, ne revenez plus ici. Mais si le juge, tu es obligé, il a plein de dossiers qui l'attendent au couloir. Il te dit, tu as volé. Monsieur le juge, je te jure sur tous mes parents. Je dormais, oh, ils ont cambriolé, ils babadi, 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 la babadé. Tu lui as même donné les mots de gorge. Il découvre à l'issue de l'enquête que les avocats des autres, des personnes à qui tu as volé, ont réussi à démontrer que tu as volé. Laurentine, la jalousie va me tuer. Je suis fière de mourir à cause de la jalousie pour la vérité. Tu as compris avec moi? Donc, le juge va te dire que monsieur, normalement le vol que vous avez fait est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Mais comme en plus d'avoir volé, vous avez juré, parce que c'est un parjure, vous avez juré que vous n'avez pas volé. Non seulement vous deviez faire 2 ans d'emprisonnement, mais en plus d'avoir juré que vous n'avez pas volé, vous allez faire 3 ans. 3 ans. D'accord? Karim Mongwe, l'homme de la terre, il est ondoyant, divers et changeant. N'oublie jamais ça. J'ai dit même l'homme qui est dans le même lit avec toi. Même la mère qui a accepté de t'héberger 9 mois dans son ventre. Même le père qui a donné la graine pour que tu viennes au monde. Il est ondoyant, divers et changeant. Aujourd'hui, c'est je t'aime moi non plus. Demain, c'est je te déteste à te tuer. Aujourd'hui, c'est je te protégerai toujours. Tu es l'amour de ma vie. Demain, c'est je regrette de t'avoir connu. Tes salariés qui sont avec toi, patron, nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Tu as bon cœur, tu es gentil. Demain, c'est tu as déjà fait quoi pour nous? On va te trahir. Vaut mieux que s'il y a quelque chose. Ma soeur, ne fais confiance à personne. Papa, là? Oui, oui. Ne fais confiance à personne. Prends les taureaux par l'école. Je te parle avec mon cœur. Et je sais que tu connais mon cœur. Dis toute la vérité. Envoyez le live aussi à Karim Mungo. Je suis maman de 3 enfants. Tu es maman de 2 enfants. Tes enfants ont besoin de toi. Ton chéri a besoin de toi. Ta maman a besoin de toi. Les enfants là n'ont pas besoin de te voir derrière les barreaux. Parce qu'il y a eu un mensonge comme ça, comme ça. Tu ne vas pas le montrer. Moi je suis comme toi. J'ai un fort caractère. Même quand quelque chose m'énerve, devant les gens je vais montrer que je suis King Kong. Mais ça m'énerve. Si je dois pleurer, si ce n'est pas un cas de mort d'homme, je vais éviter de couler mes larmes devant l'adversaire. Mais quand je coupe ma caméra, je prends le seau. Je remplis ce seau de mes larmes. C'est bien beau de faire ça. Mais c'est comme mourir à petit feu. C'est-à-dire que tu n'évacues pas ce qui est dans ton ventre. Et c'est comme ça que les gens meurent d'AVC. Va à la police. Va voir le procureur. Dis-là ce que tu n'as pas dit. Et dis-là ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Parce que crois-moi, la police des polices est déjà en train d'enquêter sur ton dossier. Je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Que les services secrets, quand vous disiez que nous ne servions à rien, mais grâce à nous, je te disais, tu as tes enfants, tu as ton entreprise à gérer. Une entreprise que tu n'as pas claqué des doigts pour avoir. Pareil que tu sais que tu as commencé par les bouteilles de Tanguy. Ce serait dommage de te salir autant si tu as les mains blanches. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Ce n'est pas seulement aller en prison qui décrédibilise l'honneur d'un homme. C'est tous les scandales qui n'arrivent pas à clarifier. C'est-à-dire que quand tu as un honneur, tu as travaillé, tu t'es battu pour être ici au sommet. Si à chaque fois qu'il y a des scandales que tu n'arrives pas à clarifier pour sauver ton honneur, peu importe tes fans, il y aura des fans qui vont rester suspicieux. Ça veut dire que ta crédibilité baisse. Moi, je te donne l'exemple de moi. J'ai des fans, moi l'étoile tribune, qui depuis le dossier de Martinez, malgré qu'aujourd'hui, ces fans me suivent toujours. Parce que peut-être, oui, Dieu a voulu. Mais il y a un côté de blessure. Il y a une blessure dans leur cœur qui dit l'étoile cribienne, dans le dossier de Martinez Zogo, n'a pas parlé comme on voulait. Oui, je ne dois pas parler comme ils veulent. Je dois parler selon ce que je ressens. Mais c'est un exemple terre à terre pour te dire que ces fans-là me suivent. Mais il y a un peu d'estime qui a chuté.
Je vais me battre pour redorer mon image. Mais une blessure est là, la cicatrice reste. Ce sera idem pour toi. Tant que tu ne vas pas réussir à être clair dans tes sorties. Parce que tu es le maillon fort dans ce problème. Puisque tu es celle qui est connue. Pourquoi on ne parle pas trop de Camden? Oh, Camden est l'élément phare aussi. On parle plus de toi. Même si, demain, la justice tranche que tu n'as rien à voir. Et qu'ils n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions. À leurs yeux, tu auras contribué à avoir fait quelque chose. Même s'ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens là qui n'achèteront plus tes produits. Oui, tu vas gagner d'autres personnes. Mais quand on dit une de perdue, 10 de retrouver. Mais en réalité, quand tu as un et on rajoute un, c'est toujours mieux. Si tu devais vendre 10 et tu vends 15, qu'est-ce qui est mieux? C'est le nombre. C'est mieux de vendre 15. Mais si tu perds 5 à cause d'une simple bêtise, ça ne sert à rien. Si tu perds 5 personnes, parce que ces 5 personnes veulent te museler, ces 5 personnes veulent que tu marches selon eux, ça ce n'est pas grave parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais si l'erreur émane de toi, c'est dangereux. Je te donne encore un conseil. Recommence à expliquer l'histoire de Samy du début jusqu'à la fin au procureur, à la police. Je ne te dis pas Facebook. Parce que sur Facebook, tu vas te taper une balle dans le pied. Je te dis au procureur, à la police. Ne mens pas. Parce que tôt ou tard, ça va sortir. On m'a appelé avant-hier pour me dire que la résidence où tu étais avec Samy, une bagarre s'était déclenchée là-bas. Et Samy est sorti du portail. Les villageois, les riverains là, ils ont commencé à parler. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais s'il s'avère que ce soit vrai, non seulement la police va se remettre en question sur ton enquête. Si à un moment, elle t'accordait le bénéfice du doute, tu auras tout perdu. Parce que même ça, il faut que cette police-là soit informée de ça. La police, c'est comme ton médecin. Si tu veux que le médecin te soigne, ne pars pas lui dire que docteur, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Dis-lui exactement ce que tu as. Si tu veux qu'il te soigne bien, ne lui manque pas, le pied me fait mal, les orteils me font mal. Les fesses me font mal, dis que docteur, par moment j'ai mal ici, ça résonne ici. Le docteur sait où aller chercher ton problème. Mais si tu l'amènes partout, partout, il va te charcuter le corps pour rien. Si tu viens, tu dis qu'il y a eu ça. Je vous donne des exemples terre à terre. Vois, entends. D'accord? Je t'ai conseillé. Tu fais ce que tu veux. Les riverains disent qu'il y a une bagarre. Je vais vous dire que si cette enquête avait été suivie avec impartialité, on saurait déjà ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. La résidence où Karim Mongwe est avec ses employés, ce n'est pas une résidence des moindres. C'est une résidence de renommée. Et qui dit résidence de renommée, dit propriétaire sage qui a mis une vidéo de surveillance dans sa résidence. Si vraiment les autorités de crédit sont impartiales, elles vont déjà demander à saisir les vidéos de surveillance de la résidence où se trouve Karim Mungwe. À moins qu'on ait aussi déjà payé le propriétaire de cette résidence pour qu'il ne libère pas les vidéos. Parce que sachez qu'une résidence qui coûte plus de 200 000 la semaine, elle ne peut pas être comme ça sans sur vidéo de surveillance. Même s'il n'y a pas les vidéos de surveillance dans les pièces, les chambres, il y a au moins les vidéos de surveillance au niveau de la piscine. Enfin, les vidéos doivent couvrir au moins toute la maison, l'extérieur. Ça veut dire que si en effet, il y a eu bagarre entre Samy et quelqu'un, les vidéos là ont capturé ça. S'il y a une scène où Samy sort énervé du portail, les vidéos de surveillance de la résidence ont capturé cet instant. Et si vous constatez qu'avec les vidéos de surveillance, il y a les moments de pause, vous comprendrez, pour conclure votre enquête, qu'on essaie de vous dissimuler quelque chose. Et quand on essaie de dissimuler quelque chose, il y a anguille sur roche. Donc on doit se poser des questions. Cherchez à trouver le propriétaire de cette résidence. Et cherchez à saisir les vidéos de cette résidence. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grain d'Afrique proche, Joël de Château Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique Proa, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique Proa, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. JDC Africa, le grain d'Afrique Proa, est situé aux deux rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château Rouge. C'est-à-dire que laissez Camden où il est d'abord. Le premier témoin oculaire dans cette histoire, ce n'est pas un être humain, c'est un appareil informatique. Le premier témoin qui va être vrai, honnête avec vous, c'est un petit appareil informatique. Et tout débute à la résidence là-bas. S'il n'y a rien eu, du début de leur séjour jusqu'à la fin, cet appareil va vous dire qu'il n'y a rien eu. La résidence que je vois là, ce n'est pas une résidence de gnognotte. C'est du lourd. Le monsieur qui a cette résidence ne peut pas investir autant sans mettre de vidéo de surveillance.
commencez déjà par là. Vérifiez si effectivement il y a les vidéos de surveillance dans cette résidence. Et si tel est le cas, que le procureur de la République demande une saisie de cette vidéo et vous analysez le contenu. Et en fonction du résultat, vous pourrez vous faire vos propres conclusions. Ce qui est certain, nous sommes des Bantous. Je ne cesse de le dire. Aucun cadavre ne s'agite autant quand rien ne s'est passé. Si vous voyez un cadavre qui s'agite beaucoup, Conrad peut vous dire. Conrad nous a fait comprendre qu'il y a un liquide noir qui sortait des yeux de son frère. Ce n'est pas juste une fable, c'est une réalité. Si Samy, vous n'entendez pas les gens dire c'est quoi? Vous ne faites que parler de Samy, c'est le seul mort au Cameroun. En effet, ce n'est pas le seul mort et ce n'est pas le seul dossier. Mais bizarrement, nous tous nous sommes focalisés sur Samy. Son sang était amer et son sang réclame justice. Si son sang réclame justice autant, c'est parce que ce gars n'était pas prêt à partir. Il avait encore envie de rester dans le séjour des vivants, profiter de la vie, faire sa passion, ses photos, regarder son rallye, faire son art, gagner son argent dignement. Il avait envie de manger le tarot sauce jaune. Il avait envie de manger le héros. Il n'a pas fini de manger. Il voulait manger le ndola avec les millions d'euros. Il n'était pas prêt de partir. Et c'est ça qui l'énerve. Sans doute, il avait beaucoup de projets. Et on ne lui a même pas permis de réaliser les un tiers. Et je crois que c'est ça qui énerve Samy. Parce que c'était un ambitieux. Sa famille comptait sur lui. Samy était quelqu'un qui avait l'avenir. Samy avait des terrains qui ne vendaient pas. Il n'était pas friand d'argent. Quelqu'un qui est friand d'argent vend tout. Il a préféré faire des boutiques. Pour que de l'argent de ces boutiques, les membres les plus pauvres de sa famille puissent profiter. Donc, quand on arrache la vie d'une personne qui a autant de cœur, le pilier, le noyau d'une famille, même Dieu n'est pas d'accord. Samy était le Joseph de sa famille, le David de son royaume. Dans chaque famille, Dieu suscite une personne comme ça. Et quand on arrache à la vie autant, même le ciel se fâche, Dieu se fâche. Et Dieu veut qu'on frappe. Tous les jours, je dis que foutez-moi le cas avec le dossier de Samy. Vous voulez que je vous montre ce qu'ils ont fait de ma page? Vous vous souvenez que pour passer les commandes de la gamme Cribiclair, cribiclair.com, quand vous allez sur la page L'Étoile Cribienne, vous regardez ce qu'ils ont fait de ma page. On a tellement faim qu'on s'en fout. Et ça, je sais qui a fait ça. Et elle va payer ça ici sur Meta, comme ça. Vous vous souvenez que lorsque vous veniez ici avant, quand vous voulez aller sur mon site internet Cribiclair, Cribiclair était là, non? Le lendemain du jour où je démonte la vidéo de Lolo Fodja, par rapport au dossier de Samy, ils ont signalé mon site marchand. Facebook a fait passer mon site cribiclair.com pour un site frauduleux. Tellement ils ont signalé. Et je vous regarde droit dans les yeux dans le dossier de Samy. Tous, autant que vous êtes, qui aviez contribué, ou du moins seulement pensé que vous allez signaler mon lien de commerce, je ne vous ai jamais attaqué. Je ne me suis jamais attaqué à vos commerces. Je parle du dossier de Karim Mongwe. Vous ne m'avez jamais vu parler de Karimo. Parce que Karimo, pour moi, c'est le travail. Karim Mongwe, pour moi, c'est la personne. Ça s'appelle la loyauté. Le respect du travail des autres. Quand tu es entrepreneur, tu connais la souffrance qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Si je suis une personne jalouse, je connais tous mes concurrents. Je passe signaler leurs liens commerciaux, un par un. Mais malgré que vous m'ayez fait ça, mon cœur que moi, Dieu m'a donné, ne me permet pas de signaler vos liens commerciaux. Karim Mongwe a les liens commerciaux. Toi, Lolo Fodja, tu as les liens commerciaux. Les liens de tes pages. Si je signale ça, ça donne le même résultat. Donc vos informaticiens que vous avez envoyés, vous avez beaucoup d'informaticiens. Moi-même, j'en ai. Dites-leur que je peux utiliser la même stratégie. Mais à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Ce que vous avez fait là, vous pensiez me faire du mal. Mais en réalité, vous avez ouvert la porte pour bloquer vous-même vos activités. Regardons. Et malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à me dissuader de ne même plus parler du sujet de Samy. C'est même quand je vois que vous avez fait ça, que j'ai encore la niaque de demander justice. Parce que lorsque tu milites pour la bonne cause, c'est cette bonne cause qui te donne les ondes positives dans la vie. Lorsque tu fais l'effort d'être humain, d'être honnête, d'être amour, d'être respectueux envers les gens, tu ramasses, tu amasses les trésors dans les cieux. Tu amasses la grâce divine, tu amasses la protection, tu amasses les ouvertures. Ce que vous avez fait, c'est de préparer mon élévation au ciel. C'est de préparer le ciel à m'ouvrir les portes des grâces en abondance, de la bénédiction. Vous avez préparé le ciel à me donner la force de me battre encore plus, de réaliser encore plus. Parce que vous me coupez une main, mais vous rallongez une autre. Vous voyez quand on commentait, avant mon lien était épinglé dans tous mes lives, Facebook a enlevé parce qu'ils ont massivement signalé. Je verrai quel commerce vous ferez sur la toile qui sera fructueux. D'accord? Après avoir essayé de me salir, wet ainsi, de salir mon travail, ce n'est pas un argent volé, je n'ai pas tué quelqu'un, ce n'est pas l'argent du sang, c'est la sueur du front. Quand tu as les mains blanches, Dieu fait ton palabre. Je suis encore en train de parler
du sujet de Samy, malgré tout. Courte publicité, mes étoiles d'amour. Pour un joli teint naturellement clair sans vous décaper la peau, utilisez la gamme Crédit Clair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site internet creditclair.com. Si vous êtes à Paris, vous pouvez également m'appeler sur mon numéro de téléphone qui est là. Quand vous êtes sur ma page, vous cliquez voir la photo du profil. Vous avez mon lien commercial, mon numéro de téléphone. Je vais rajouter le numéro de la représentante. Le gagnant, même face aux obstacles, il n'abandonne pas. C'est quand il est face aux obstacles qu'il comprend qu'il doit sortir la force supérieure qui sommeille en lui. Les perdants abandonnent dès la première occasion où ils voient l'échec. Mais le gagnant reste focus, il ne lâche rien. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît. Pardon, dégage de mon direct. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je veux avec mon iPhone. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je veux avec mon iPhone. Voilà. Pour me faire reculer, il faut m'enlever la vie. Et pour m'enlever la vie, j'ai déclaré au nom puissant de Jésus que l'être humain de ce monde, que ce soit mystiquement, que ce soit physiquement, ne m'arrachera pas la vie. Je quitterai de cette terre, rassasié de mes jours. C'est Dieu qui va m'appeler. Et épuisé, viens. J'ai dit jamais vous. À chaque fois que vous allez creuser une tombe, pour que moi, je tombe, j'entre dans le trou, c'est vous. C'est vous, ils sont en train de signaler le live. Libérez massivement les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. C'est vous qui allez tomber dedans. Je vous le dis au nom puissant de Jésus. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. Risque à madame, merci. C'est pourquoi à chaque fois que je parle d'un sujet, le sujet de Samy, j'ai d'abord mis mes genoux à terre avant d'ouvrir ma bouche pour poser les premières paroles. Je demande toujours à Dieu de me donner la sagesse et l'intelligence qu'il a donnée au roi Salomon pour me prononcer dans un dossier. Surtout un dossier aussi crucial. Je lui demande de prendre possession de mes prises de position, de le faire à ma place. Et je demande toujours au Seigneur de me faire être la personne vraie. Pour que même quand l'homme de ce monde dit que je suis fausse, que je n'ai pas mal, parce que je connais mon cœur. Tu vas me faire mal si je reconnais que je suis jalouse de Karim Ongoué. Tu vas me faire mal si je reconnais que je parle de ce dossier pour la déstabiliser. Mais tant que je sais que c'est simplement pour chercher la vérité, je dors sur mes deux oreillers. C'est pour ça que je suis prête à affronter même le baobab de Facebook. Même si c'est quel blogueur, on me dit que quand tu t'attaques à lui, il active l'arsenal des sorciers. Je viens, je me place devant lui et je l'affronte. Ce n'est pas la sorcellerie que j'ai. C'est parce que je sais que celui sur qui je m'appuie est plus puissant que vous. Dieu m'aime trop, c'est moi qui ne l'aime pas. Mais je sais qu'il est plus puissant que vous. C'est pour ça que j'ai ce courage. Parce que je sais que mon bouclier là, il est invincible. Yahweh. On va chercher la vérité pour Samy. Je vais en vacances, mais je vais regarder les vidéos. Et quand je reviens, je réactive les lives. Donc s'il vous plaît, un peu de buzz. Ne faites pas beaucoup de buzz. Je ne veux pas trouver beaucoup de dossiers. Demandez à la police camerounaise de chercher. Karim Mongwe, tu sais que je t'aime bien. Dis la vérité. Dis bien ce qui s'est passé à Kribi. Kribi, c'est la base. Merci Annette Sama, je t'aime très fort mon étoile. Frankie, bisous, merci beaucoup. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, merci Félicia, tu es adorable. Obosso, la bisous, vous faites bisous. Donc mes étoiles d'amour, vous êtes témoins qu'on a parlé. Augusta, bisous, Augusta Crochet. N'oubliez pas de soutenir la page d'Augusta Crochet, mes étoiles d'amour. Soutenez-la, abonnez-vous massivement. Soutenez les blogueurs qui défendent les causes nobles. Melissa Sanchez New. Les femmes aident les femmes. FA. FAF. Merci Edwige. Amen. Je reçois. Regina Bisou. Amen. Je reçois. On love. Santan. On va. Wigokuru. Wigokuru. Lucie. Bisous Lucie. Amen. Wigokuru. Santan. Il ne lâche rien. VP de l'homme 2025. Solange B. La rose africaine du 237. C'est, comment ça va? J'oublie toujours son nom. J'ai oublié le nom d'une personne que je veux citer. J'arrive pas à retrouver le nom. Élise Battante. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Le Cameroun doit changer. On met les policiers pour que quand il y a accident, on fasse constat, ils viennent s'amuser. Pourtant, l'État les paye. Le gouvernement leur donne l'argent. Ouais, je vais vite revenir, mes étoiles. Je vais vite revenir. Il rigole de toi, mon cœur. Va dire à papa. Bon. Tu es béni. Amen. Plus qu'à ma la merveille. Bisous, bisous. Voilà. Donc, mes étoiles, c'était juste... On a beaucoup d'informations.
si on vous donnait même les informations que nous avons, vous comprendrez que on n'accuse même pas quelqu'un de meurtre. On est vraiment fâché sur les mensonges même qui n'ont pas leur place. Très fâché. On voit comment les familles des victimes sont méprisées au Cameroun. Il n'y a même pas une autorité qui a appelé Conrad. Pour rencontrer Conrad Junior Zogo, VP de l'homme, bien sûr, on ne les oublie pas quand même. Ce sont les éléments phares qui nous aident à chercher la vérité dans ce dossier. On n'a même pas eu l'amabilité d'appeler Conrad. C'est-à-dire que un grand frère perd son frère, une famille perd son enfant. En France, on voit des procureurs de la République rencontrer les riverains, rencontrer les victimes. C'est quoi ça, ce Cameroun? Où on veut faire croire aux jeunes qu'une autre autorité ne peut pas venir présenter ses condoléances? Une autre autorité ne peut pas venir faire une sortie pour dire « J'ai compris les lamentations du peuple. » Mais vous, les hauts gradés, là, vous êtes où vous êtes grâce au peuple. Vous avez ces contrats-là, vous êtes gradés là, c'est grâce au vote du peuple la plupart du temps. C'est le peuple qui vous a mis là. Parce que sans un président, on ne cherche pas les procureurs de la République. Le peuple a élu le président. Le président vous met la moindre des choses. On ne vous demande pas de donner les milliards aux victimes. C'est de montrer votre empathie. Cher frère, j'ai appris que ton... En plus, Conrad est quelqu'un de la police. Quelqu'un qui perd sa journée, ses nuits au service de la police camerounaise, au service des citoyens camerounais. Lors de ces interventions, Conrad peut perdre la vie pour les Camerounais. Ce dossier devrait être pris avec beaucoup de pincettes, beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse, parce que c'est un homme en tenue, déjà. Vu ce que beaucoup d'hommes en tenue vrais font pour nous, nous avons des jeunes de 20 ans qui perdent leur vie à Bakassi, qui perdent leur vie à Boya, qui perdent leur vie au Nozo là-bas. La moindre des choses, c'est être solidaire envers les hommes en tenue. Ici, c'est un homme en tenue qui a perdu son frère. À quel moment vous êtes reconnaissant des sacrifices de ces hommes en tenue? Que vous nous abandonniez même un peu, on peut comprendre. Mais votre reconnaissance, tellement vous êtes incapable d'être reconnaissant envers certains hommes en tenue qui le méritent, que certains deviennent des corrompus parce qu'ils se disent « Pourquoi se sacrifier pour cette patrie qui est incapable de m'élever ?» Regardez, les hommes en tenue sont la vitrine de notre pays. C'est par eux que tout se passe. Si un coup d'état doit se passer, les premières personnes qu'on doit corrompre sont les hommes en tenue. Parce que ce sont eux qui ont accès aux services secrets du gouvernement. Conrad est un homme en tenue. Il a mouillé le maillot pour le Cameroun. Même ça, Conrad n'a pas pu rencontrer, que on dit, rencontre d'empathie, le procureur de Kribi, le commissaire de Kribi, pour dire, Yako mon frère, où est la solidarité salariale? Comment dire, collègue, où est cette solidarité? Collègue, on souffre ensemble. Même pas. Votre collègue peut vous demander les photos de l'accident de son frère. Vous êtes les constatateurs, vous ne lui dites pas, tiens, prends, même en cachette. Que chut, prends. Vous ne savez être solidaire que pour voler, pour arnaquer les riverains, pour voler les terrains des gens, pour faire les doubles ventes. Vous ne savez être solidaire qu'à ce moment-là. Vous mangez l'argent des autres policiers qui sont déjà décédés. Vous ne les enregistrez pas. Vous connaissez tout ce que vous faites, non? Je me tais. Hein? Je parle là où il faut parler. Pour les gens qui aiment nous dire que nous sommes jaloux de Karim Mungwe. Vous m'avez déjà vu aborder la vie privée de Karim Mungwe. Je vais vous donner un petit code. Un jour, vous allez entendre ici là une histoire. Je lui envoie ça en code à elle. Code, voiture, cambriolage. Voiture, cambriolage, ex. Vous m'avez déjà vu entrer dans ça? Parce que moi, ça c'est à Karim que j'envoie ça. Pour lui dire que moi, je ne sais pas régler les problèmes en m'attaquant à la personne. Vous détruire. Je m'attaque au problème pour qu'on trouve une solution. Je ne peux pas mélanger le dossier de Samy avec une vie privée. Je ne peux pas mélanger le dossier de Samy avec le travail de quelqu'un. Parce que je fais la part des choses. Mais si je suis dans l'optique de détruire le commerce de quelqu'un, ah oui, je ne me gênerai pas. Mais je refuse toujours que ce type d'action émane de moi. Parce que, à la différence de beaucoup de personnes, moi je fais l'effort de connaître un peu Dieu. Je ne peux pas vous dire je connais Dieu. Je vais vous dire je fais l'effort de marcher selon ses recommandations. Je fais l'effort. Naomi, merci. Et ces recommandations me demandent de ne pas profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le courant. Ces recommandations me demandent d'être quelqu'un de vrai. Ces recommandations me demandent de me rappeler que j'ai une conscience. Ce que je fais, il va me faire payer. Merci, Poupette. Merci, Solange. Que Dieu te bénisse. C'est ce que moi, Dieu me demande. Vous connaissez combien de femmes m'ont essayé de me détruire dans la vie? Moi, l'étoile crévienne. Je sors avec un Joe. Je me dis que ma copine, si elle est célibataire, je ne peux pas être bien. Je mange bien, le gars me met bien. Je vois ma copine qui est toujours en train de me demander. Donne-moi 20 000, donne-moi 20 euros, donne-moi 50, donne-moi 100. Tous les jours, je lui donne. On m'a appris que pour aider un homme, apprends-lui à pêcher.
Parce que si tu lui donnes à manger une fois, il va, si tu lui donnes à manger que tu as déjà préparé, il va manger une fois. Mais si tu lui apprends à pêcher, il va manger toute sa vie. Je me dis, comme moi je lui donne, parce qu'on me donne aussi, c'est facile de me donner. Dieu m'a béni, Dieu est passé par ce monsieur pour me donner. Maintenant, derrière ce monsieur, il y a les amis qui peuvent donner à ma copine. Au lieu qu'elle se rabaisse à moi tous les jours, me dit que ouais, mon enfant n'a pas mangé. Ouais, s'il te plaît, je dois voyager. Ouais, je lui dis que ma soeur, viens aussi t'installer ici. Comme tu vois là, son ami aussi peut te gérer. Comporte-toi bien. Quand moi je mets la copine dedans, au lieu de bien se comporter pour aussi avoir sa part de banque, excusez-moi de l'expression, façon de parler, c'est moi qu'elle vient détruire. Elle n'entre plus dans le couple pour gérer sa part, que si elle fait ses enfants, elle se marie, elle fait sa vie. Elle ne se concentre plus. Maintenant, sous l'oreiller, elle essaye de se renseigner sur ma vie. Combien ton ami donne à l'étoile? Quand est-ce que ton ami a rencontré l'étoile? Est-ce qu'il connaît d'abord l'étoile? Est-ce qu'il sait que l'étoile est camerounaise? Elle peut le détruire. Moi. Malgré que j'entends ça, au lieu de me lever un matin et de dire, je te mets dans une relation pour que tu sois bien comme moi. Toi, tu veux me détruire. Moi, je m'en vais donc gâter où je t'ai mis. Tu vas retourner dans la pauvreté parce que les Batanga disent que Okindi Konja ou Laodiba ou Baweya. Ça veut dire que tu as refusé le luxe pour aller chez les Pygmées. Tu as refusé qu'on te mette en haut pour aller dans la poubelle. Je ne me dis pas que je vais tout gâter. C'est encore moi. Qui, quand même l'ami veut déjà quitter, c'est moi qui dis que est-ce que tu sais que l'ami de mon ami veut déjà te quitter. Il dit que tu t'es comporté comme ça, ma soeur. Calme ton comportement. Comporte-toi autrement. Tu risques de le perdre. Malgré toi, continue à me détruire. Je ne la détruis pas. Mais c'est Dieu qui dit que, ma fille, je t'ai demandé d'avoir bon cœur. Mais je ne t'ai pas demandé d'être stupide. Je t'ai dit que tu me pries, je peux te sauver. Mais quand je t'ai déjà montré d'où vient ton malheur et que tu attends que je vienne te sauver, ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Sors de là. Parce que même mon fils préféré, Jésus, je l'ai envoyé dans le monde pour te sauver. Quand je l'ai envoyé dans le monde pour te sauver, Satan l'a tenté sur la montagne, le monde des oliviers. Il a refusé de tomber. Il n'a pas attendu que je vienne le sauver. Il a dit, arrière de moi, Satan, tu ne me tenteras pas. Mais toi, je t'aime, oui, mais celui-là était mon fils préféré. Donc tu crois que si lui s'est protégé sans m'attendre, moi je vais venir tout faire pour toi. Je prends du recul. J'ai dit que ma soeur, bah, j'ai appris ça. Pas pour de bon. Je ne pense pas faire du mal malgré tout. Je ne gâte pas là où j'ai mis. Parce que la Bible dit que celui qui commence sans finir n'est pas différent de celui qui n'a jamais commencé. Quand tu as déjà fait du bien, reste sur ses notes. Laisse celui à qui tu as fait du bien détruire. Lui-même, il va recevoir le karma. Ça n'a pas loupé. Le karma de ça. Quand aujourd'hui on m'appelle pour me dire la vie de cette fille, je dis, on ne s'attaque pas au oint de Dieu. Je ne rigole pas parce qu'on ne rigole pas du malheur des autres. Mais je n'ai pas pitié. Si je dis que j'ai pitié, je mens. Je dors en paix. Je dis, tout se paye ici-bas. Merci Kylian, tout se paye. Et tout ce que je vis dans ma vie, c'est le Seigneur qui me prépare pour le futur. Ces coups bas que j'ai reçus ont permis à ce qu'aujourd'hui dans le foyer où le Seigneur m'a mis, personne ne vient chez moi. Derrière ton moto, c'est-à-dire personne. Ce qui fait que même mon homme a les amis célibataires, je pourrais présenter, mais plus jamais. Ça veut dire que le Seigneur parfois permet que quelque chose arrive pour qu'après tu sois protégé. Parce que si la bêtise était arrivée dans mon foyer, c'est pas pareil. On peut te faire une bêtise dans une relation où ton cœur n'est pas à 100% là-bas. Ça ne te dérange pas. Maintenant, tu as fait ta fondation, tu as fait tes enfants, tu veux évoluer. Et à cause de ta bêtise, tu viens tout gâter, ce qui est un problème. Rien n'est éternel, rien n'est acquis. Je préfère que si le Seigneur a dit que mon foyer n'ira loin, n'ira pas loin autant pour moi, qu'il en soit ainsi selon sa volonté. Mais si c'est à cause de ma bêtise, alors que Dieu m'a déjà montré. En gros, cette petite anecdote que je vous raconte, c'est pour vous faire comprendre que même ceux qui m'ont poignardé, je n'ai jamais fait du mal. J'ai refusé. Celle-là qui est là-bas, Monaco, qui m'insulte, quand sa fille m'a appelé, j'ai l'audio de sa fille, vous ne me verrez jamais mettre ça. Elle a mis le cercueil de mon père. S'il fallait mettre l'audio de sa fille, c'est justement avec le cercueil de fille de mon père. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qu'elle peut faire qui va m'énerver. Si déjà, qui va me pousser à mettre l'audio de sa fille parce que Dieu m'a appris que le scandale ne doit pas venir par moi. C'est quelqu'un d'autre qui va mettre. Je vois le cercueil de mon papa. J'ai la douleur que je n'étais pas à cet enterrement. Et quelqu'un de lambda vient me poster ça sur les réseaux sociaux. J'ai une balle pour le détruire. Mais l'esprit de Dieu me dit, ouais, Tansi, laisse. Vous ne me verrez jamais mettre les photos de la maman de quelqu'un avec qui je suis en clash. Les photos du père de quelqu'un avec qui je fais un droit de réponse. Les photos des enfants, les photos des maris. Ayez toujours des limites dans tout ce que vous faites, mes étoiles d'amour. Toujours des limites. Ne jamais rendre aux personnes qui vous aiment, qui vous font du mal, le mal qu'ils vous font. C'est-à-dire, la vengeance de la vie a plus de goût que votre vengeance. Parce que quand la vie se venge à votre place, je vous promets que ça a une saveur, même le champagne n'est pas réussi comme ça. Laissez toujours la vie faire. Ceci ne veut pas dire que vous ne deviez pas donner vos avis, vous ne deviez pas vous défendre. Par moment, il est important de se prononcer, mais pas dans tout. Il est important de répondre à certaines personnes, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui vont vous insulter, insulter vos tripes, insulter vos entrailles. Faites-vous ignorer. Mais il y a des gens qui vous disent que toi, je te chope pour montrer l'exemple aux autres. Mais ne répondez pas à tout le monde. Laissez la vie. Il y a des gens qui vont vous détruire, même sur les réseaux sociaux. Pendant qu'ils vous détruisent,
il souffre après qu'il vous ait détruit. Il n'y a pas plus mauvaise réponse divine. C'est-à-dire que tu branches ta caméra pour insulter une personne. Tu prends plaisir à le faire. Les gens te like, les gens partagent, les gens libèrent les cœurs. Mais quand tu coupes ton live, au lieu que la personne que tu es en train de détruire soit en train de pleurer, c'est toi qui souffres. Tu as l'impression d'avoir une boule dans le cœur. Il n'y a pas plus mauvaise vengeance. Ça, c'est qui? C'est quand tu as décidé de prendre Dieu comme le seul unique qui fait tes palabres. Tes adversaires vont toujours souffrir à ta place. C'est-à-dire qu'ils vont te donner les coups de poing. Au lieu que toi tu aies mal, ce sont eux qui ressentent la douleur de leur coup, leur propre coup. Donc, si je ne suis pas capable de détruire ceux qui essaient de me détruire, parce que personne n'a jamais réussi à me détruire. Merci Kylian Joël. Personne. Ils essaient juste. Détruire quelqu'un, c'est réussir à enlever son souffle de vie. Je l'ai encore. Et tant que tu as le souffle de vie, tu as la possibilité de tout faire, tomber, te relever, avoir mal et te soigner. C'est comme ça. Mais la vie vous répond. Nous sommes là. J'évite toujours de maudire, mais j'ai dit, ceux qui font les trous là, vous allez tomber vous-même. Vous-même. Donc, le sujet de Samy, on en parle parce qu'on veut justice. On veut obtenir justice. Plus jamais ça au Cameroun. On ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Et maintenant, si quelqu'un mérite du mal, il n'avait qu'à faire attention. Il n'avait qu'à faire attention. Ce n'est pas à nous de donner une posologie du mode de vie aux gens. D'accord? On ne doit pas être coupable des erreurs des autres. Jamais. Bienvenue à Océan Déco pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Déco a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Déco peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Déco, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Déco est basée au carrefour Combi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Déco, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité s'ouvrir mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai dit juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Marasu Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. J'ai dit aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Mama YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec
ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être ska. Même Samuel et tout, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longue, longue, fais le direct. Flo de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse. Selfie, hey, mama, selfie, hey.